Voici l'arène bistronomique de Zurki. S'il y a un endroit où on peut trouver la pièce qu'il te faut, c'est ici. J'espère que tu as raison. La destruction du dimensionnateur semble avoir causé une sorte de cataclysme dimensionnel. Si je ne retrouve pas Ratchet... T'en fais pas, Boulon. On va te réparer ça. Promis. Il existe des pirates qui rêvent de choses autres. Le prochain combat en arène va bientôt commencer. Ces plateformes flottantes déraillent. Thank you.
parfaite. Ouais. De secouer un peu tes ennemis? Alors prends un paratonnerre! Je te ferai savoir dès que j'en aurai reçu. Booste-moi ce bijou! Regardez-moi ça! Tu n'as plus de raritanium, trésor. Au revoir. Tu viens souvent dans cet endroit? Ouais, très souvent. C'est une sorte de refuge pour les membres de la Résistance. J'espère simplement que l'Empereur n'est pas au courant. Je crois que j'aurai toujours du mal à m'y faire. Merci de votre visite chez Urtim, on se massacre avec le sourire. Zurki est derrière le bar. Il saura où est le pirate. Tiens l'amplificateur. Ah,
Et si nous parlions à Zurki, je souhaiterais réparer mon communicateur au plus vite. Namasté, que la paix t'accompagne, Rivette. Dis Zurki, t'aurais pas vu notre capitaine en second préféré dans le coin? Il a mon amplificateur de... Si ce n'est pas ma petite chérie. Donne-moi l'ampli. Tu m'as suivi jusqu'ici? C'est encore un effort désespéré pour gagner mon affection. Donne-moi l'ampli, Pierre. Combien de fois dois-je te répéter que mon cœur est déjà pris? Franchement... Pete, le rouillé? Le rouillé? Ah, morbleu! Ton ami a la langue bien pendue. Mon nom est... Pierre le Fer! Pirate extraordinaire! Je te propose un duel. Chez Zurki, la violence est interdite. Battez-vous dehors! Je préfère l'amour à la guerre. Mais pour toi, je suis toujours disposé à faire une exception. Prêt à lui roboter le derrière? Ce genre de question me laisse perplexe. Mais pourquoi pas? Où sommes-nous? Nous censés nous inscrire? Il y a une console sur ce grand mur vitré, là-bas. T'inquiète, je vais te montrer. Ont-elles forcément une arène de combat? Je vous affronterai bien moi-même! Mais vous devrez d'abord prouver que vous en êtes dignes! Ah, c'est les risques du métier! Les pirates jaillissent de ces failles! Faut reconnaître qu'ils savent innover en matière de triche. Ah, oui! Manipuler le tissu mec de l'espace-temps, c'est bien un truc de pirate! J'ai la cible. Je suis complètement coincé, maintenant.
sacre bleu. Oh, je me suis foulé la cheville. Mais n'ayez crainte, ma doublure beaucoup moins séduisante se battra à ma place. En forme. Et voilà, je suis la meilleure. Ratchet, est-ce que tu m'entends? Ratchet, est-ce que tu m'entends? Clank, est-ce que ça va? Où es-tu? J'ai vu la Lombax t'attraper. Je vais bien. En fait, je suis avec la Lombax. Salut, je suis Rivette. Quoi? Salut. Wow, ça c'est... Bon, attendez, ok, j'ai quelque chose à vous dire. Le docteur Nefarious s'est proclamé empereur de cette dimension. Il sait quoi? Non, 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 non. J'ai déjà assez à faire avec mon propre Nefarious. Eh ben, justement. On doit le renvoyer chez nous, et nous avec... Mais... Sans le dimensionnateur... Je crois que nous devons en fabriquer un autre. J'ai rencontré un prophète de Savali appelé Gary. Il saura sûrement comment faire. C'est juste à quelques secteurs d'où je suis. Je peux aller jeter un œil. Et nous, on fait quoi? Y a-t-il une planète appelée Blizzard 1 dans cette dimension? Oui. Pourquoi? Nous y trouverons du quartz phasique pour alimenter le dimensionnateur. Si j'ai raison, nous disposerons alors d'un nouvel appareil en un rien de temps. Alors on ferait bien de s'y mettre tout de suite. Content que tu ailles bien, mon pote. Toi aussi, Ratchet. Sois prudent, surtout. Wow. Un autre Lombax. Allez, mettons-nous au travail.
est bien sorti. Je suis sûre qu'on pourrait gagner la coupe de bronze avant d'aller sur Blizzard 1. Avec la récompense, on pourrait s'équiper. Allons sur Blizzard. Je suis sûre qu'on peut y trouver du quartz phasique. Et donc, sur cette liste... N'espoir, Urkan Junior va soumettre Rivette à l'épreuve ultime. Nous allons voir ce qu'elle peut faire, munie d'un sort exécuteur. Va falloir faire beaucoup mieux que ça. Ow! Ow!
silencieux là derrière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être un peu sous-évalué la difficulté de fabriquer un dimensionnateur. Un petit peu. Ouais, enfin, on savait tous que ce serait pas une mince affaire. Certes, mais le quartz phasique est un des matériaux les plus rares et précieux de tout l'univers. Je vois. Tu as assez de boulot! Fais-toi plaisir! N'hésite pas, trésor! C'est une super affaire! Salut, Rivette! Si tu reçois ce message et que tu as un peu de temps, sache que Trudy aurait besoin d'un coup de main sur Sargasso. Trudy? C'est une amie. Ça m'a sûrement... Rien à voir avec notre problème, mais Mork n'appellerait pas à l'aide si c'était pas important. Bonjour, Dimension! Je sais que j'ai été absent pendant... vous savez combien de temps. Alors il faut qu'on rattrape le temps perdu. Vous devez vous demander ce que je faisais. Oh, j'ai parlé avec mes fans si dévoués. Admirez mon superbe décor. Et découvert qu'il y avait deux, oui, deux Lombax insolents en cavale. Qui cherchait à tout dévaster. Donc, j'offre une prime de 3 flubillions de ponts de liberté Nefarius à quiconque me ramènera ces devoriens à fourrure, morts ou vifs, mais vifs de préférence, que je puisse d'abord m'amuser un peu avec. Mon formidable réseau d'espions affirme qu'ils seront très bientôt sur Blizzard et sa valise. Alors au travail maintenant. Et si ces deux Lombax m'écoutent, sachez que je compte bien vous réduire en cendres, et qu'ensuite, je jetterai vos cendres sur un soleil, et qu'ensuite, je jetterai ce soleil dans... Super. L'autre Nefarius m'a ajouté à sa liste. Et il sait quelle est notre destination. Oh, non. J'espère que Ratchet trouvera bientôt le prophète. Quartz phasique, nous voilà. Et c'est parti! Sur Sargasso, tu disais avoir donné le dimensionnateur à Ratchet pour qu'il puisse trouver les autres Lombax. J'aurais jamais cru en rencontrer un autre. Encore moins retourner chez moi, si on peut dire les choses comme ça. Tu crois vraiment que c'est possible? Non! Non? Non! Ici. Je n'en suis pas très sûr.